Un prof extra. Texte Dorothée Roy. Illustration Dominique Jolin. Quand nous avons aperçu notre professeur pour la première fois, nous avons tous compris que c'était quelqu'un de bien spécial. Mais personne n'a posé des questions. Quand notre professeur a commencé à nous parler très vite et avec un drôle accent, nous étions intimidés. Et personne n'a posé des questions. Quand notre professeur est venu dîner avec nous et que nous avons vu ce qu'il mangeait, personne n'a posé des questions. Mais nous lui avons tous offert notre collation. Au gymnase, quand notre professeur a exécuté un double sarre périlleux, personne n'a posé des questions. Nous avons tous cru qu'il était très doué en gymnastique. À la piscine, quand notre professeur a changé de couleur, personne n'a posé des questions. Nous avons tous pensé qu'il faisait une allergie. Lors de notre sortie, quand nous avons vu notre professeur dormir la tête en bas, personne n'a posé des questions. Nous avons tous cru qu'il faisait du yoga. Durant le cours de sciences, quand notre professeur a fait apparaître des bonbons, personne n'a posé des questions. Nous avons tous pensé qu'il avait fait un tour de magie. Quand notre professeur nous a invités chez lui pour nous montrer ses animaux, personne n'a posé des questions. Nous avons tous cru qu'il collectionnait des espèces très rares. Quand notre professeur nous a montré ses photos des vacances, personne n'a posé des questions. Nous avons tous imaginé qu'il avait voyagé dans des pays lointains. Mais ce matin, quand notre professeur est arrivé à l'école avec son véhicule, tout le monde se posait des questions. Et c'est comme ça qu'on est parti dans sa soucoupe volante.